en découvrant les dinosaures, si vous regardiez aussi autour de vous. Ces plantes, ces insectes, l'air, constituent eux-mêmes des univers différents, tous connectés. Vous les piétinez sans vous en apercevoir, pourtant, ils sont extraordinaires. Aujourd'hui, je vous emmène dans le monde fantastique des mousses. Admirez ces couleurs presque phosphorescentes sur les arbres. Ce sont vraisemblablement les premières plantes qui ont colonisé la Terre bien avant les dinosaures, il y a 450 millions d'années. Les mousses sont très primitives. Sans fleurs, elles se reproduisent en se divisant ou grâce à des organes mâles et femelles. Leur secret ? Elles ne se nourrissent pas par les racines et savent se développer sur la roche même. Pourtant, on les considère souvent comme envahissantes. On essaie de les détruire avec des pesticides. Savez-vous qu'elles sont capables de ralentir leur vie presque à l'infini ? Durant la sécheresse, leurs branches se recroquevillent sur elles-mêmes pour laisser actives quelques cellules seulement. Écoutez cette histoire. Il y a quelques années, un géologue en ramène des échantillons desséchés dans son laboratoire après un forage en Antarctique. Soudain, la mousse reverdit à la chaleur ambiante. Finalement, en déterminant son âge, il découvre qu'elle a 1500 ans d'existence. Rendez-vous compte. Elle a vu la fin de l'Empire romain. Aujourd'hui, on fonde de grands espoirs sur la mousse. C'est étonnant, mais elle stocke le carbone et certains polluants, rend fertile des sols devenus incultes en accueillant d'autres fleurs et arbustes. Elle peut également retenir 20 fois son poids en eau et réguler l'humidité. C'est pourquoi on les utilisait comme pansement. D'ailleurs, elle servira à fabriquer des médicaments pour les premiers astronautes qui voyageront 6 mois dans l'espace, afin de découvrir la planète Mars. Alors, approchez-vous et explorez cet univers fascinant du passé et du futur. Respect la mousse. Étonnant, n'est-ce pas ?